les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'Épargne. La Caisse d'Épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Delabroix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission RSE pour le bureau d'études ouvert pour l'entreprise Pocheco. Vous fabriquez des enveloppes, des pochettes, des sacs à souffler. L'entreprise est basée ici, dans la métropole lilloise, à Forêt-sur-Marc. Si vous deviez nous en dire plus quand même sur le cœur de métier aujourd'hui de Pocheco. Alors, le cœur de métier, vous avez parlé des enveloppes. Des pochettes et des sacs à souffler, c'est de produire ici, sur place, ces enveloppes pour nos clients qui sont essentiellement des assurances, des banques, les pouvoirs publics, quelques entreprises. Historiquement, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de cette société? Elle a été créée quand? L'entreprise a été créée en 1925. Elle était installée au départ à Roubaix et elle est arrivée à Forêt-sur-Marc dans les années 70, en 75, très exactement. Et le village s'est développé en quelque sorte autour de cette usine. Comme c'est parfois le cas, effectivement. Oui. Tout à fait. Et aujourd'hui, combien de collaborateurs chez Pocheco? Quelques chiffres peut-être? Alors, aujourd'hui, on est 60 collaborateurs répartis sur le cœur de métier, sur notre bureau d'études qui s'appelle Ouvert, sur une autre marque qui fait de la massification de courrier qui s'appelle Agora, et sur deux associations, les paniers de Marianne notamment, la maison de l'économie, et Canopée Reforestation, qui est une association qui propose des activités et des activités nature de plantation d'arbres. Alors, ces autres activités et associations, on va y venir dans un instant, oui. Puisqu'il y a une raison à cette diversification chez Pocheco. Le marché général de l'enveloppe est en souffrance aujourd'hui. Oui, le marché de l'enveloppe, effectivement, est en souffrance. L'utilisation des messageries électroniques entraîne cela. Le prix de nos matières premières explose. On a pris à peu près 30% d'augmentation sur notre matière première papier, qui représente 50% de nos coûts de fabrication. Bien évidemment, on ne peut pas répercuter cette hausse à nos clients. Donc on a commencé chez nous, il y a une dizaine d'années déjà, à diversifier nos activités. C'était vital, puisqu'en parlant des matières premières de plus en plus chères et des besoins en enveloppe aussi qui diminuent, l'entreprise allait à sa perte. On peut le dire comme ça? Oui, en quelque sorte. Si on n'avait pas amorcé déjà cette diversification, aujourd'hui, je pense que nous n'existerions plus. Il y a déjà 10 ans, donc il y a quand même une anticipation de penser à cette souffrance du marché, le prix des matières premières. Et elle est passée d'abord... Par quoi cette diversification, quelle a été la première étape? La première étape s'est imposée d'elle-même, puisque en 20 ans de temps, Emmanuel Druon, qui est notre actuel dirigeant, a vraiment développé un modèle qu'on appelle économie. Donc, le mot entre écologie et économie? Tout à fait. Qui s'appuie sur les trois piliers du développement durable, le social, l'environnement et l'économique. Qui tente à prouver qu'il est possible d'entreprendre sans détruire. Donc chez nous, chaque investissement doit répondre à trois critères. Donc prendre soin des hommes, donc on travaille beaucoup sur les conditions de travail, la diminution de la pénibilité. Chaque investissement doit également prendre soin de la nature, donc on limite au maximum nos impacts sur l'environnement. Et bien sûr, chaque investissement doit améliorer la productivité, puisqu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Donc, ce qui est encore possible quand on parle d'environnement et d'industrie du papier aujourd'hui? Nous pensons que oui. Sinon, nous n'existerions plus. On en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, Alors ça, c'était la volonté, la philosophie, effectivement, de diversifier. Ouais. Vous l'avez dit à travers une première entité. Agora, quel est son rôle aujourd'hui? Quelle est son activité? Alors, Agora aujourd'hui fait de la massification de courrier et propose ce service à différentes entreprises. Agora fait du pré-tri, de l'éditique numérique, de la reprographie. Donc, c'est une activité qui est en pleine expansion, qui s'est développée au départ dans nos locaux, qui s'est excentrée puisque l'activité devenait.
envahissante en termes de surface, etc. Donc l'activité est aujourd'hui basée à l'Équin. L'activité séminaire aussi. L'activité on séminaire. On peut en dire deux mots, puisque globalement, si on peut résumer, sur le site de Pocheco, vous aviez de la place, peut-être, qui n'était pas utilisée. Oui. Vous avez mis à profit ces espaces. Tout à fait. Ben, quand Agora s'est fortement développée et nous a quittés pour aller à l'Équin, en fait, nous avons transformé, réaménagé cet endroit, une salle, en fait, qu'on appelle la salle du Fol Espoir, qui est devenue un lieu d'éco-accueil. Donc, c'est une très belle salle bardée de bois. Il y sent bon le pain, comme on dit. Ouais. Enfin, c'est ce que disent nos séminaristes. Donc, la salle est disponible à la location. On vient faire des réunions, faire des conférences, suivre des formations, s'inspirer. Et nous, notre petit plus, c'est de proposer à ceux qui souhaitent des activités au cours des journées de séminaires qui sont organisées. Et la proximité du lac du Héron nous aide. Ça, c'est quand même assez original pour une entreprise d'ouvrir ainsi ses locaux à d'autres, finalement. Alors, pas de concurrence ou autre, c'est pas du tout le terme, mais en tout cas, voilà, c'est assez original comme diversification. Ça fait partie, effectivement, de nos atouts. Cette salle est assez grande. Il n'y en a pas énormément dans la région. On peut accueillir jusqu'à 100 personnes en position banquée, c'est-à-dire à table, 150 personnes en conférence et jusqu'à 200 en version cocktail. Et toujours dans une volonté de respect de l'environnement, le bâtiment est HQE, vous le disiez, ça sent le pain, on peut se sentir un peu en pleine nature. On est en pleine nature, on a vraiment cultivé la biodiversité chez nous. Bon, je ne sais pas si vous montrerez des photos tout à l'heure, mais vous verrez les extérieurs qui sont ma foi très intéressants. À chaque fois qu'on a reconstruit, on a essayé de privilégier la surface au sol. Donc, les surfaces qu'on a pu gagner, on les a transformées en jardin ou en verger. Voilà, tout simplement. Puisqu'il faut aussi rappeler, vous me le disiez en antenne avant de préparer l'interview, que l'usine Pocheco est la première usine économique du monde. Du monde, tout simplement. Tout à fait. Économique, ça veut dire qui respecte l'écologie, l'économie, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on essaye de faire, voilà. Avec des ambitions assez importantes, puisqu'on souhaite devenir autosuffisant en énergie, en ressources hydriques. On est quasiment passé au zéro déchet. On a pour ambition de passer au zéro plastique dans peu de temps. Pour conclure, des postes à pourvoir, peut-être des opportunités de recrutement aujourd'hui chez Pocheco ou au bureau d'études ? Oui, tout à fait. On est en perpétuelle recherche au bureau d'études et comme on grossit beaucoup, on cherche effectivement des personnes. C'est plus des personnalités qu'on recherche, parce qu'on part du principe qu'une compétence, on peut toujours l'acquérir. Toutefois, on recherche plutôt quand même certains types de profils, donc des paysagistes, des économistes en puissance, des personnes en énergie, un petit peu toutes les thématiques de l'énergie. Voilà. En tout cas, toutes celles et ceux pour qui le message que vous venez de passer, voilà, Fret et Eco, forcément, peuvent vous contacter directement sur le site internet, j'imagine, pocheco.com, oui, il y aura les opportunités de carrière. Tout à fait. Merci, Nathalie Delabroix, chargée de mission RSE pour le bureau d'études ouvert pour l'entreprise Pocheco. Merci de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.